Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais dessiner une licorne style kawaii. Mais avant, je vais tenter de vous donner un petit résumé de ce que c'est que le kawaii, pour les personnes qui ne savent pas exactement ce que c'est que le style kawaii. Donc le kawaii est un terme japonais qui signifie mignon. La tendance kawaii est née au Japon. La culture et l'idée véhiculée par ce concept se reposent sur une connotation de jeunesse et d'innocence pour sortir de la dure réalité de la vie. Donc le kawaii représente quelque chose de petit, de mignon, et il doit signifier une sorte d'affection, de l'amour ou quelque chose d'adorable. La kawaii culture, si on peut prendre cela, ce style, comme un mouvement artistique, est très populaire au Japon, en Chine et en Corée du Sud. La plupart des représentations des personnages ou d'animaux kawaii sont représentées avec de grands yeux, une petite bouche ou alors des petits éléments comme le nez, mais surtout avec des grands yeux. Mais bon, ce n'est pas une généralité, hein. On peut représenter des personnages kawaii sans vraiment exagérer dans l'expression des yeux. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, on peut représenter n'importe quel sujet en kawaii, à condition de le simplifier, de le rendre petit, mignon, rond ou enfantin, et en lui associant des tons roses ou généralement des couleurs douces ou pastels. Donc voilà ce qu'il en est de mon résumé, de mon petit résumé concernant le style kawaii. J'espère que cette vidéo vous plaira et vous inspirera vous aussi à faire quelques dessins kawaii. J'essaierai d'en faire d'autres vidéos style kawaii. Si cela vous intéresse, donc laissez-moi en commentaire vos propositions. J'en tiendrai compte pour mes futures vidéos. Si ce tutoriel, si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce haut pour m'encourager à vous en faire davantage. Abonnez-vous à ma chaîne si ça n'a pas encore été fait. Pour me soutenir ma chaîne et pour être prévenu des futurs tutos à venir. Partagez cette vidéo pour m'aider à faire connaître ma chaîne. Quant à moi, je vous remercie de tout cœur d'avoir visionné cette vidéo et vous dis à très bientôt pour d'autres tutos assez cool. Merci.